Moi, c'est l'option de notre qui risque de noyer tout ceci dans quelque chose et on risque de ne pas avoir le résultat escompté. Donc, moi, l'évaluation, on est dans APC aujourd'hui, c'est déjà bon, on va voir les notes. On est trop. Moi, quand je commence mes cours avec mes étudiants, je dis non, vous êtes ici, moi, ce n'est pas pour vous faire échouer, mais c'est pour vous transmettre un savoir. Vous êtes ici pour, d'abord pour un savoir. Les notes, c'est cela. Et je mets la table. Les notes obnubilent et dévient. Donc, sur la question, est-ce qu'il y a des expériences d'autres pays qu'on peut mettre dans la balance? Oui, ce que je donne, c'est l'exemple d'une province du Canada, donc, et de deux provinces en Alberta aussi, c'est exactement pareil. Okay. Et il y a, par exemple, le cours d'éducation. Je dis, par exemple, on le fait en cours optionnel. Mm-hmm. Et par exemple, on dit, OK, cours d'éducation sexuelle, voici ça. Cours de leadership niveau 1 en 6e, leadership niveau 2 en 5e, ainsi de suite. Et jusqu'en 3e, les enfants, ils ont tout ce qu'ils ont. Qu'ils réussissent ou bien qu'ils échouent en mathématiques, ils ont au moins acquis quelque chose de pratique. Voilà un exemple pour moi. Au niveau de cours sur la santé, reproductive ou bien la santé même, parce que la santé, ce n'est pas seulement reproductive. Qu'est-ce que nous mangeons? Regardez dans les rues de Cotonou. On jette. Est-ce que c'est à l'école? Il y a des boîtes où on dépose tous les enfants. Papa, maman, non. Allez, comme monsieur m'a dit qu'on ne jette pas. Ne jette pas. Et c'est comme ça aussi. Et c'est là, moi, je parle de l'interaction entre de la complicité. Il faut une complicité entre l'école et la famille.